Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la seconde vidéo de la chaîne Emmanuel and the Ocean. Aujourd'hui je vous parle de ma trouvaille de fripe la plus improbable, il s'agit de cette petite merveille. Tadam. Alors c'est une valise Louis Vuitton Vintage, donc ce n'est pas un achat de première main, c'est bien de la seconde main et on va l'unboxer ensemble. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous faire cette vidéo. Ça fait quelques temps que j'y pensais. Ça a été un peu plus long que prévu parce que j'ai mis 2 mois avant de récupérer tous les éléments pour pouvoir en faire quelque chose de très complet. Alors cette valise, je l'ai trouvée à la galerie Arcadia, lieu que vous connaissez déjà si vous avez vu ma première vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous remets le lien juste ici. Donc j'étais à la galerie Arcadia et là je vois ce monogramme typique de la marque Louis Vuitton sous une pile de tissu. J'étais assez intriguée, j'ai enlevé la pile de tissu et j'ai trouvé ce petit bijou. Voici le programme pour aujourd'hui, on va faire l'état des lieux de la valise. Ensuite on va aller dans la boutique Louis Vuitton à Lyon pour voir s'il est possible de faire un devis. Et enfin je vous raconterai l'histoire de la marque de Louis Vuitton et surtout de l'homme, puisque avant d'être une marque c'était une personne. Et donc on va regarder un peu plus en détail son histoire. Petit message avant de commencer, si vous appréciez l'effort fait sur la tenue, dramatique, je vous invite à vous abonner pour la semaine prochaine recevoir l'adresse de la friperie où cette robe a été chinée. Cette valise m'a beaucoup plu, j'adore la chaleur que dégage le cuir et surtout sa lumière. Je trouve qu'il a vraiment très bien vieilli, vous avez ici des teintes marron et caramel. La toile monogramme aussi a très bien tenu à travers le temps, donc ça c'est vraiment des points que je trouve très positifs dans la réparation de cette valise. C'est que si jamais je dois réparer la valise, je pourrais quand même garder un maximum du cuir d'époque. Donc ça c'est vraiment ma volonté, si jamais je la fais réparer, eh bien je voudrais voir pour garder le cuir et puis changer 2-3 petites choses. A commencer par la fermeture à glissière qui, comme vous pouvez le voir, est complètement déchirée. Donc là il va falloir que je voie avec la maison Louis Vuitton pour faire quelque chose. Je ne sais pas encore à combien pourrait s'élever un devis pour une réparation, mais on va aller voir ça ensemble juste après. Pour continuer un petit peu avec l'état des lieux de la valise, eh bien, vous avez ici le couvercle souple, donc là vous avez une toile monogramme qui est un peu plus effacée parce que le cuir a plus travaillé. Après il reste quand même super beau et puis là c'est pareil, les empiècements sont vraiment magnifiques, ils renvoient super bien la lumière. Malgré ces petits défauts, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour cette valise. Quand je l'ai vue, j'ai vraiment commencé à imaginer la vie qu'avaient pu avoir les précédents propriétaires avec. Et puis j'avoue que c'est vraiment ça, le fait de sublimer un objet qui avait déjà vécu, qui m'a fait sauter le pas pour l'acheter. Et c'est comme ça que 20 minutes et 50 euros plus tard, je me suis retrouvée avec ce petit bijou. Le prix n'était pas non plus là pour me freiner, à 50 euros ça reste quand même très accessible pour une valise vintage Louis Vuitton. Et puis j'ai bien compris quand même que j'allais devoir faire des réparations, donc que possiblement il y aurait d'autres coûts à rajouter plus tard. Malgré le prix très abordable, qui s'explique de par son état, je savais que l'article était authentique. La galerie Arcadia ne vendra jamais de faux, la personne qui tient cette boutique tient vraiment à garantir une certaine qualité auprès de ses clients. Pour en revenir à la valise, elle devrait dater des années 70. Et d'après mes recherches sur internet, il pourrait s'agir de la valise Airbus. Elles ont pas mal de points communs, à commencer par la forme, la toile monogramme ou l'intérieur en toile beige. J'ai aussi cherché combien elle pouvait coûter, alors là ça varie vraiment. Pour cette valise, je n'arrive pas du tout à chiffrer la valeur qu'elle peut avoir. Selon Collective Square, ça oscille entre 90 et 700 euros. Les points positifs de la valise, je vous en ai déjà parlé, c'est le cuir et la toile monogramme. Alors quand je l'ai achetée, elle avait vraiment l'hydratation d'un raisin sec. Entre temps, j'ai trouvé ce petit lait pour lui redonner un peu d'éclat. Lorsque j'ai commencé à l'appliquer, le cuir a pris une autre teinte et il a vraiment foncé d'un coup. Je ne pense pas que ce soit dû au produit, je pense simplement qu'il manquait énormément d'hydratation. Vous pouvez voir quelques marques d'usage, mais ça reste assez minime. Du côté des lanières, elles sont toujours en bon état, même si bon, le cuir avait là vraiment souffert du manque d'hydratation, parce que c'est une partie qui travaille énormément, alors là j'ai vraiment hydraté plus afin d'éviter que le cuir casse. En tout cas, si c'est vraiment une valise Airbus, il doit s'agir de boucles en laiton. Pour la poignée par contre, je ne sais pas du tout quoi en penser, je ne sais pas si elle est d'origine, ça ressemble à du plastique et surtout on dirait des morceaux de scotch qui ont été rajoutés autour. En tout cas, vous pouvez voir qu'elle a subi quelques impacts, on peut y voir ici des rayures. Mais le problème principal de cette valise reste les deux fermetures éclair. L'une d'entre elles est fonctionnelle, l'autre non, mais dans l'idéal il faudrait changer les deux puisque de toute façon le couvercle ne se ferme plus, je ne sais pas pourquoi. Et puis je pense qu'il devrait y avoir une fermeture, un cadenas ici, en tout cas tout ce qu'il en reste maintenant c'est un embout métallique.
Il y a deux détails qui m'ont surprise à l'intérieur de la valise. Vous avez ici des sangles qui sont tissées au nom de Louis Vuitton. Ça se voit lorsqu'on joue un peu avec la lumière. Et vous avez également les boucles qui sont brevetées par la marque. La toile intérieure a bien tenu à travers le temps, elle n'est pas déchirée. À l'intérieur, il y a deux petites pochettes qui sont restées impeccables pour les effets personnels. En revanche, vous pouvez voir ici une petite tache. Là aussi, il faudra demander à la boutique ce qu'on peut faire pour pouvoir détacher le tissu. On va partir pour la boutique Louis Vuitton, voir ce qu'il est possible de faire. Déjà, authentifier la valise. Et ensuite, on verra s'il est possible de la réparer. Honnêtement, je ne connais pas le coût de réparation sur une valise ancienne. Je ne sais même pas si ça se fait encore. On va voir ça avec eux. Et donc, on se retrouve juste après. Et entre-temps, je vous fais part de ma petite enquête, ce que j'ai réussi à découvrir déjà. A tout de suite. Entre-temps, j'ai cherché à comprendre qui était Louis Vuitton. Car si son nom est devenu international, beaucoup ignorent quelle vie il a vécu. J'ai aussi voulu savoir comment était née la toile monogramme. Le livre de la journaliste Stéphanie Bonfici m'a donné quelques réponses. Louis Vuitton part de chez lui à 14 ans après une dispute avec sa belle-mère en 1835. Il décide alors de rejoindre Paris à pied. N'ayant pas d'argent, il va travailler le bois auprès des meuniers et des forestiers de France afin de pouvoir vivre décemment. Il en apprend alors un peu plus sur les bois, complétant l'éducation qu'il a pu avoir avec son père qui était meunier. Dès qu'il arrive à Paris, en 1837, le voyage lui a quand même pris 2 ans, il fait le tour des ateliers et il est repéré par Monsieur Maréchal, un coffretier, layetier, emballeur. Alors je vous l'accorde, le métier n'existe plus de nos jours, mais à l'époque, on faisait régulièrement appel à un emballeur lorsqu'on voyage ou qu'on livre un produit, afin de protéger les objets. Dans son atelier, son patron lui accorde une grande confiance, il a très bonne réputation, à tel point qu'il en devient l'emballeur attitré de l'impératrice Eugénie, qui lui demande des caisses pour ses nombreuses robes, crinolines, fourrures, ombrelles, parfums, etc. À l'été 1850, des trains de plaisance s'ouvrent au grand public et les chemins de fer parcourent la France. N'importe qui peut voyager pour une somme modique. Un problème apparaît rapidement. Les voyageurs sont encombrés et si le billet ne coûte rien, les bagages sont en supplément et le prix est très important. Louis Vuitton est observateur et il comprend qu'une nouvelle clientèle arrive sur le marché. S'étant fait connaître et doté d'un solide sens des affaires, il ouvre alors sa première boutique en 1854. Il fait sensation en installant dans sa vitrine, je cite, « une malle en peuplier, cerclée en fer noir, au couvercle bombé ». Cela répond au tracas des voyageurs n'ayant pas encore trouvé une alternative à la fois solide, légère, grande et étanche. En prime, la couleur gris clair se démarque des malles sombres présentes partout. Sa malle est un succès immédiat et les contrefaçons ne tardent pas. Il s'agit ici du gris Trianon, qui sera copié de multiples fois, à tel point qu'en 1872, Louis Vuitton change de motif. Viennent alors les rayures, qui seront elles aussi copiées, et puis en 1898, Louis Vuitton inventera le motif damier. Il décédera ensuite en 1892. La toile monogramme arrivera peu après, en 1896, sous l'impulsion du fils de Louis Vuitton, Georges Vuitton. C'est lui qui a l'idée de ce motif étrange, fait de losanges, de cercles, d'étoiles, et surtout des initiales entremêlées de son père, le L et le V. Et là, il se dit que la copie est impossible. Bon, je pense que s'il avait vu aujourd'hui les services de douane, il n'aurait pas eu la même réflexion. Et pour ce dessin si étrange, il aurait trouvé son inspiration dans les carreaux de la cuisine familiale. Donc la prochaine fois que vous verrez Billie Eilish entièrement habillée du monogramme Louis Vuitton, peut-être que vous verrez ça différemment. Si jamais vous trouvez du luxe de seconde main et que votre article nécessite une réparation, il est essentiel de le ramener dans l'une des boutiques de la maison mère. Si vous avez un défaut, il doit absolument être réparé par un artisan formé aux spécificités de la marque. La vendeuse m'a expliqué que si j'avais ramené ma valise à un cordonnier, eh bien l'article serait maintenant considéré comme déclassé, parce qu'il aurait appliqué dessus des produits, du cuir ou posé des fils qui ne sont pas validés par la maison Louis Vuitton. Si je l'avais ramené à un cordonnier, la valise ne serait plus considérée aujourd'hui comme un produit de la maison Louis Vuitton. Une fois arrivée à la boutique, elle a été examinée. C'était un moment très particulier, les vendeurs et moi on avait les yeux qui brillaient. Ça se voyait qu'ils étaient touchés de voir l'un de leurs anciens articles avoir traversé le temps et revenir en boutique. Alors ça leur arrive de temps en temps tout de même, lorsque d'anciens modèles sont ramenés par des héritiers ou des clients qui cherchent à les authentifier ou à les réparer. La personne qui m'a reçue a vraiment pris le temps pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'une valise originale et non d'une contrefaçon. Pour cela, elle a examiner les détails, l'intérieur, les sangles et la toile monogramme. Et pour elle, il s'agit d'une valise authentique. Plusieurs vendeurs ont d'ailleurs été agréablement surpris de la résistance du cuir. Ils ont réussi à me dater la valise, pour eux il doit s'agir d'un modèle des années 70. Ensuite j'ai voulu savoir s'il s'agissait bien du modèle Airbus, et là elle est allée chercher dans les catalogues de la maison. Je n'ai pas de rush à vous montrer puisque c'est considéré comme des archives internes de la maison Louis Vuitton. Elle est remontée jusqu'à son catalogue le plus ancien et on n'a trouvé aucune trace de cette valise. Donc je leur ai donné les références et on a regardé sur internet. Ils pensent que c'est un modèle proche de ce qui a pu être produit en même temps que le modèle Airbus.
À ce moment-là, elle m'a tout de même mise en garde parce que le processus de fabrication n'est plus garanti, étant donné que ce modèle n'est plus produit. Dans ces moments-là, les matières premières ayant servi à réaliser la valise peuvent ne plus exister, et à ce moment-là, certaines réparations ne sont plus possibles. Ensuite, on a fait l'état des lieux, elle l'a trouvé très robuste, et oui, j'ai vraiment eu la sensation qu'elle était assez étonnée de voir que le cuir avait résisté sans aucun traitement ni soin particulier, puisqu'il n'a vraiment pas cassé malgré les années. Pour les parties abîmées, on a d'abord regardé la poignée. Alors elle est bien d'époque, mais à l'origine, elle était entourée d'une gaine de cuir qui s'est détachée, d'où les deux morceaux de scotch sur la valise. Je peux la changer, ça coûte une centaine d'euros, mais je ne suis pas certaine que ça soit une bonne idée. Si je prends une poignée neuve, le cuir va être très clair, comme sur ce sac. C'est l'une des particularités des cuirs Louis Vuitton, ils ne sont pas teints. Ils vont juste changer de couleur en passant d'un beige très clair à une couleur beaucoup plus sombre grâce aux UV et au frottement. Et c'est cela qu'on va appeler la patine. Là, je vous avoue que j'aurais du mal à poser une poignée neuve sur une valise qui a déjà 50 ans d'avance sur son travail de patine. Je ne suis vraiment pas certaine du résultat. Pour le zip, il devrait être changé car le zip et la toile sont une seule et même pièce, donc si je veux réparer la déchirure, il faudra que je change le zip. Elle m'a dit que les ateliers pourraient changer le cuir si je le désirais, mais globalement, qu'il était encore en assez bon état. Elle a constaté que l'un des coins du couvercle ne s'emboîtait pas sur la valise, et d'après elle, c'est dû à la toile. Comme elle est tendue de résine, il arrive qu'avec le temps, elle se rétracte, et à ce moment-là, on assiste à ça, à un blocage. Enfin, pour la petite pièce métallique au milieu de la valise, il pourrait s'agir effectivement d'un ancien cadenas, un modèle où il fallait passer le cadenas à travers des fermetures à glissière, et enfin le trou de la pièce métallique. Là, je ne sais pas si ça pourrait être réparé, s'ils ont encore les pièces. Une fois l'examen terminé, la vendeuse m'a expliqué qu'elle ne pourrait pas me faire de devis. Seuls les artisans des ateliers de réparation sont aptes à le faire. Elle m'a alors proposé d'envoyer ma valise dans les ateliers de réparation proches de Paris. Et alors je pense qu'il doit s'agir des ateliers d'Asner, en tout cas c'est ce qui est expliqué dans ce livre. La journaliste explique que toute l'histoire de Louis Vuitton s'inscrit vraiment dans les terres d'Asner, donc c'est une banlieue proche de Paris, et c'est là que les premiers ateliers de production ont vu le jour. Donc ma valise a dû être envoyée là-bas, et en échange on m'a remis ce petit papier. Alors il s'agit tout simplement d'un exemplaire client sur lequel toute la discussion avec la vendeuse a été notée. Elle a également noté que je devais revenir chercher le produit avec une pièce d'identité. 9 semaines plus tard, j'ai eu un coup de fil de la vendeuse qui m'a expliqué que le devis s'élevait à 700 euros. Alors, ça comprend toute la réparation de la fermeture à glissière, mais comme la toile et la fermeture à glissière ne sont qu'une seule et même pièce, si je veux réparer cette fermeture, je dois également enlever toute la toile et puis enlever tout le cuir, remettre en fait toutes les parties. Donc ça demande énormément de travail aux artisans, c'est un travail très long, très minutieux et invisible à la fin pour juste arriver à avoir cette partie-là correcte, quoi. Donc là, j'ai préféré faire ramener la valise à Lyon sans aucune modification puisque cet argent-là, je ne l'avais pas. L'un des vendeurs sur place m'a expliqué que pour 700 euros, c'était vraiment un devis très correct pour le nombre de réparations qu'il y avait à faire sur cette valise. Donc ça, je l'ai bien noté et dès que c'est possible, je pense que je la renvoie aux ateliers avec cette fois l'argent nécessaire pour les payer. En attendant, ça restera un élément de décoration que vous pourrez voir dans mes prochaines vidéos si vous vous abonnez. J'espère que celle-ci vous a plu. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à propos cette fois de la friperie où j'ai trouvé cette petite robe. D'ici là, bon week-end et on se retrouve très bientôt. Au revoir.